Bonjour tout le monde, ici ZeFnikinFan et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Poképark Wii Pikachu's Adventure. Shadot m'a donné un Poképark Pad. Il dit qu'il y a les noms qui s'enregistrent à l'intérieur quand on se fait des amis. Ça c'est un gros A. Il est juste à moitié fini. Je vais finir de le construire. Et ensuite, je vais inviter tout le monde. Là, il y a juste carrément rien. Mais rien du tout. On dirait qu'il dit qu'il pue. C'est vrai. Yo, tu dois devenir plus fort si tu me donnes des fruits, des berries. Et ben, je vais rendre ton attaque électrique plus forte. Ça va être utile pour les jeux à scale. J'en ai un en masse pour ça. Tu l'as eu. Là, si je m'en vais là, eh bien, Thunderbolt a agrandi. J'ai pas la Miss Dreamers qui est là. Bienvenue à mon studio de photo. Prends une photo, appuie sur moi pour prendre une photo. On va se mettre sur la carte SD. T'as jamais pris de photos à 20, tu me rends jusqu'à 30 photos. Voilà. Là j'ai reçu 30 films left. Tu sais, genre les films left. Au début j'en avais 0, là j'en ai 30. Moi, prendre une photo. C'est ce que je dois faire pour continuer le jeu, hein. T'as pris une photo mignonne. Bla bla bla. Ok. Tu m'en visites. Tu dois revenir si tu veux aller là. Ok. Je dois aller où? Je dois faire quoi? Ah, faut que j'aille parler à Miss Dreyfus. Ah non, c'est pas Miss Dreyfus. Driflim. T'as besoin d'aide, non, blablabla. Moi, je te permets de voyager dans le temps. Ok, non. De voyager entre les zones. Quand tu vois le stop de Driflim avec, genre, un fruit, ben genre, c'est parce que je suis supposé être là. Ça fait que je peux voyager. Bienvenue, veux-tu utiliser 20 fruits pour retourner au meadow? Ben, à la plaine, mais moi je dis non, j'ai pas besoin. Par contre, ça va être très utile quand on va avoir débloqué genre 5 ou 6 zones.
Salut. Et j'ai reçu le message de Venezor pour Empoléon. Normalement, je laisse mes portes fermées, mais là, je vais... Mais là, puisque c'est un événement spécial, entre guillemets, ben, je vais ouvrir mes portes. Let's go! Oui, je veux bien aller m'asseoir sur les chaises qu'il y a là. Après le middle zone, et ben la plage, la deuxième zone du jeu. Après le middle zone. La bataille entre Gyarados et Feraligatr Dragonblood était épique. Tellement que les ponts ont brisé. Ils étaient supposés être de bons amis. Ah, ça shake. Comme dans le mini-jeu du premier monde. Ah, ça m'a tellement épeuré. J'espère qu'ils sont pas en train encore de se battre. Oh, on n'avait pas vu avant à la plage. Tu viens nous visiter. De l'autre côté de la plage, il y a... La zone de glace, pour y accéder, tu demandes à la place. La place est toujours là pour remplacer les ponts. What? C'est ce que j'ai compris, moi. Mais genre, dans le fond, là, j'ai débloqué que la zone de plage, mais l'autre bord, si je continue par là, genre, puis que je traverse le pont, puis etc., eh bien, dans le fond... la place, il va me donner accès à la zone de glace. Puis après ça, avec Justin, et ben je vais pouvoir voyager entre les trois zones. Ben, entre les deux zones. Et... Gyarados a une attraction ainsi que Napoléon. Napoléon. C'est la chasse ou une bataille, ça? Chasse, ok. Oh non, j'ai perdu, mais c'était le fun, pareil. By the way, mon frère Floatzel va être là bientôt. Il adore l'attraction de Gyarados. Floatzel. C'est son frère. Ok. Là, lui, j'imagine, va vouloir se battre. La zone de plage, by the way, c'est la zone que j'aime le moins. Parce qu'il faut faire full d'aller-retour. Dans le middle zone aussi, il faut faire des allers-retours. Sauf que le Pokémon avec lequel il faut devenir ami, et ben j'ai pas fait son truc. Et donc, il va falloir que je le fasse à ma main. Mais c'est chiant de faire plein d'allers-retours. Bon, là, il joue à la chasse. Tu joues à la chasse? Ouais, je joue à la chasse.
Désolé pour cette petite coupure, mais vous avez manqué que le compte à rebours. Tu m'as eu. Et si on était amis? Bye bye. Ok, j'ai été amie avec ce Starly là. Mais ce Starly là, je suis pas amie avec lui. Non, en fait, je suis amie avec toutes les Starly au monde. Juste à cause de cette chasse. Hé, le goéland. Wingo. C'est quoi, ils ont ouvert les portails, tu joues à la chasse avec moi. Ok, ben je vais chasser ton ami. Bon, je t'ai eu. Non mais je t'ai eu, hein, déjà. Pourquoi est-ce que les Starly s'introduisent dans notre chasse? Dégagez de la vue. Ah, c'était génial, blablabla, ici on était amis. Ouais, je suis ton ami, puis je te pose, puis je dégage. Ah mais lui aussi, lui je suis pas supposé être son ami à lui. Je suis pas supposé être ton ami à toi. Pourquoi je suis ami avec toutes les Wingles du monde maintenant? Et tous les Starlys du monde aussi. Spiro, je suis pas encore ton ami, toi. Ben oui, je suis ton ami. Mais pas genre arc-en-ciel. Ah, fin de bataille, oui. Mais ça, je suis ami avec lui. Mais pourquoi? Ben si je fais une bataille, on va avoir arc-en-ciel. Ils viennent de dire, j'ai un frère qui est un petit peu plus jeune que moi, qui est déjà mis avec toi dans le... dans la zone... dans la plaine. Normalement, arc-en-ciel, voilà! Le petit truc à côté de l'eau est arc-en-ciel maintenant. Non, je veux pas. Dégage le match. Là, si je fais ça, puisque je m'en vais dans la liste de mes amis, j'ai Chikorita en arc-en-ciel, j'ai Munchlak en arc-en-ciel, j'ai Oddish en arc-en-ciel, Bronzy, Sudowoodo et Spearow, Bulbasaur, et c'est ça. Moi, perso, je sais ce que je dois faire pour avancer dans le jeu, sauf que je veux voir toutes les persos. Tu n'es pas comme un vidéo. Psyduck. C'est littéralement son cri. Sango. Hide and seek. Mais t'es gros. T'es jaune. Mais trouver facilement, j'ai l'impression. Il a pu passer. Oh non, je le vois pas. Il est où? Oh non, je l'ai perdu de vue. Coucou, c'était dur. Ah, je t'avais pas vu. Il s'est juste assis dans un coin, puis il s'est fermé les yeux. Pour faire genre, il me verra pas. Si je ferme mes yeux, je le vois pas, il me voit pas. What the fuck? Golduck est venu pour surfer. Qui est une des attractions, je crois, surfer. Hey yo, j'ai pas eu une bataille avec toi encore, hein? Attends! Ouais, on va jouer à la chasse.
Oh, what the fuck? Je l'ai genre dépassé, il est arrivé derrière moi, j'ai dû faire demi-tour, puis ça a pris 10 000 ans, voilà. Oh non, j'ai perdu! Hey, maintenant t'es mon nouvel ami, voilà. Tududa est venu pour jouer. Ok, s'il veut. Slowpoke. Ça tombe maintenant. D'où je fais voler Slowpoke? Non mais d'où? Voilà, il est mort. Me faire perdre dans la chasse. Rip Slowpoke. Quoi, un oiseau est invincible à moi? Eh ben, il doit être level 1000. Même si ça se peut pas. Ouais, c'est de ça que je parlais. Déjà, des allers-retours pourris. Je déteste ça. C'est pas maintenant ma faire ça. Hey, Toto Dao! Boom! Alors toi, t'es venu pour te battre, n'est-ce pas? Toto Dao! Oui, je veux bien me battre. J'ai gagné, c'était vraiment difficile. Ah, j'ai failli perdre. C'est maintenant mon ami. Dégage. C'est genre le panneau pour du saut, sauf qu'il est pas lent en ce moment. Eh ben, Gifflim est arrivé. Tout d'un coup. D'une façon inconnue, mais magique. Slowpoke, where the fuck are you? Oh, t'es là. Ah, j'espère que quelque chose qui serait un temps va redevenir ami ou whatever. Ah, ici on joue à la chasse. Le combat le plus difficile de toute ma vie. Je lui ai totalement pas donné de chance. Madkip est venu pour jouer. Ah oui, mais moi je l'ai dit, hein, je vais être ami avec tous les Pokémon possibles que je rencontre, que je peux. Ah, ah, mais toi, toi je t'ai pas vu encore. Hey, 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 je te parle. Bla bla bla, j'aime voler, hein, moi, bla bla bla, quoi. Ah oui, on va jouer à la chasse. Mais il vole trop, je peux pas l'électrocuter normalement. Ah bah oui, je pourrais. Et bye. Petite coupure. Ok.
Mod Keep, c'est toi que j'ai vu? Ouais. Mod Keep. Vous pouvez lire vous-même, même si vous voyez très très mal, je vois, à partir de la caméra, c'est-à-dire ma 3DS. Oui, on va jouer à cache-cache. Salut. Non mais dégage en fait. Yodo! Mudkip, où es-tu? Mudkip, je t'ai entendu! T'es là! Mudkip, où es-tu Mudkip? Mudkip! Ah! T'as failli m'avoir. Moi je croyais qu'elle était cachée dans des fleurs. Lui ou elle là. Mais non, il faisait juste. Elle faisait ou il faisait juste comme Psyduck. Mais là c'est mon ami. Et j'ai eu Pidgeotto, il est là-bas. Pidgeotto. Non. Bon mais me suivre. Oh my fucking god. S'il te plaît. Arrête-toi. J'ai besoin de toi. Combat-moi! Quoi? Tu veux une bataille? Oui, je veux une bataille. Pour ça, tu vas donner mon ami. Que 2 de PV? Eh ben. Ah oh, mais non, j'ai plus rien à faire. À part ce que je dois faire pour avancer dans le jeu. Parce que depuis tout à l'heure, quand c'est là qui m'attend en fait. Mais moi, je vais être ami avec tous les Pokémon possibles. Salut. Ah, tu peux pas passer le pont. Je vais te donner un petit quiz. Tu vas pouvoir passer seulement si tu réponds à mes questions correctement. Question numéro 1. Qu'est-ce que tes amis peuvent faire à ta place dans le Pokémon? Skill game... Attraction! Oui! Question 2. Combien de lignes tu as dans ton dos? Ah, je sais pas, 2? Oui, j'ai 2 lignes brunes sur mon dos. Pikachu, bien évidemment. Lequel de ces Pokémon a des griffes? Feraligatre. Oui. Ah, bravo! Je suis maintenant amie avec Ursula. Ursula! Hey, Vaporeon! Vaporeon! Voilà. Ah, toi, t'aimes-tu l'océan? Ah, ici, on joue à la chasse. Ah, il y a Psyduck de ce côté-ci, puis il y a aussi Floatzel. Oh my god, t'es rapide, toi.
Je vais t'avoir, tu es bloqué. Tu vas être bloqué. Ah mais oui, oui. Ah. What the fuck. Faut aussi... Faut... J'aurais clairement pu l'avoir là. Eh ben, foutu. J'aurais dû la pogner lorsqu'elle était coincée, mais non. Je suis pas assez intelligent. Ouais, mais je t'ai eu là, je t'ai foncé dedans là, là. Faut que je sois plus rapide que ça. Ah, je t'aime pas l'océan. Ben oui, moi j'aime l'océan. Me baigner quand il fait chaud, genre cet été. Alors là, quand tu vas être coincé, il va falloir que je te laisse te coincer tout seul, en fait. Là, je sais où est-ce que tu vas, alors j'ai un catching, en fait. Non, mais je sais où est-ce que tu vas. Oh my god. Ouais. Oh, je l'ai eu. Je l'ai fucking eu de même. Ah. On est mis. Goldock est là-bas. Petite Cooper. Ok. La fin dramatique de Golduck. Et puis c'est à ce jour que Golduck s'est noyé dans la mer. Wow. Oui, une bataille. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Vous pouvez partager. Et je sais pas, voilà. Hey, c'est qui qui a salué? Je veux que tu refasses ton salut. Ketchou. Eh ben, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, à la chaîne Charizard 22 et à la chaîne à Pépi de Pépé pour voir les vidéos en train de se faire. À la prochaine tout le monde.